à tous, bienvenue à Istres, plus précisément aux arènes du Palio, pour l'épilogue de votre feuilleton de l'été concernant la pétanque, à savoir la finale des Masters 2016. À mes côtés, il nous a accompagnés tout l'été, il va continuer de le faire, même au-delà de l'été, cet hiver. Voilà, c'est Jean-Luc Robert, notre... ben oui, mais volontiers pour nous aussi, parce qu'on est ravis de vous retrouver, Jean-Luc. Voilà, notre consultant pétanque sur la chaîne L'Équipe. Jean-Luc, la finale va opposer l'équipe de France à l'équipe Robineau. On a envie de dire sur l'ensemble des différentes étapes de l'évolution du classement cet été, la logique est respectée. La logique est complètement respectée. L'équipe qui a fini première contre l'équipe qui a fini seconde. Voilà, l'équipe de France composée des garçons qui représenteront la France au championnat du monde. Ce sera début décembre sur l'équipe. Ça vous sera proposé, bien évidemment, cette épreuve face à l'équipe Robineau. Une équipe Robineau qui s'est défaite de l'équipe Quintet, qu'on a vu après la demi-finale très abattue en fait. Ben, abattue, ouais, parce que d'abord ils ont perdu, après le connaissant un tout petit peu, c'est vrai qu'il a manqué une main. Bon, il a manqué double une main, il y avait 12 mètres, c'est pas facile. Après, il a manqué la dernière boule, c'est vrai qu'en tirant bien celle-là, ça pouvait lui éviter de perdre tout au moins cette main. Voilà. Et le connaissant assez bien, je comprends un peu son attitude. Maintenant, bon, c'est vrai que Damien a bricolé au tir. Stéphane Robineau, on peut dire qu'il a pointé un tout petit peu mieux que Manu Lucien. Et c'est une partie qui s'est tenue. Alors c'est vrai qu'il y a eu deux ou trois petits coups de réussite pour l'équipe de Stéphane Robineau. Bon, c'est la pétanque. Voilà, c'est la pétanque et c'est le sport en général. Cette petite réussite qui peut parfois faire la différence au très haut niveau. Des commentaires de très haut niveau et des analyses aussi avec Guillaume Claret qu'on va retrouver. Ben voilà, c'est un plaisir. Hein. L'équipe est au complet. Toute cette équipe qui vous a fait vivre les Masters cet été avec Guillaume Claret qui est là. Bonsoir Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir aussi à nos côtés. Et je suis sûr que vous avez des infos à nous donner déjà. Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi également de vous accompagner dans cette belle soirée ici aux arènes du Palio avec cet affrontement bien sûr entre l'équipe de France et l'équipe Robineau. Quelques informations effectivement sur les joueurs qui ne vont pas débuter. Hein. Ils sont 4 présents sur ce Final Four. 3 simplement seront en tout cas pour débuter cette finale sur le terrain. Du côté de l'équipe de France, c'est Bruno Le Boursico qui commencera sur la chaise en tant que remplaçant. C'était déjà le cas à l'occasion de la demi-finale. C'était également le cas du côté de l'équipe Robineau. Jean-Philippe Chioni débutera. On aura d'ailleurs l'occasion d'aller le questionner parce que dans son équipe, on avait l'envie durant la demi-finale de le faire rentrer et c'est lui qui de son propre chef a dit non, je ne rentre pas, on doit aller chercher cette finale. C'est dire, voilà, tout l'intérêt, toute l'envie qu'ils ont d'aller chercher notamment pour Stéphane Robineau, sa première étoile dans ce feuilleton estival. Et oui, peut-être selon le bon vieux principe, on ne change pas d'équipe qui gagne. Ils ont gagné à 3 cette demi-finale et Jean-Philippe Chioni avec toute son expérience, même si c'est sa première participation, même s'il a envie de participer, il préfère se mettre un petit peu en retrait. Et c'est tout à son honneur, bien sûr. Voilà. Mais surtout, voilà, c'est une mécanique qui est bien huilée cette équipe-là. Chacun joue bien à sa place. Stéphane Robineau pointe bien, Christian Fazino lui a fait son boulot. Château tire très très bien. Donc pour l'instant, ma foi, il n'y a pas de raison de changer grand-chose. En ce qui concerne l'équipe de France, ben c'est la même chose. Hein, voilà. Henri Lacroix pointe plutôt pas mal, même s'il a un peu de mal quand même sur ce terrain-là. Ouais, mais le terrain est compliqué. Ils ont gagné comme ça la demi-finale, ils vont repartir comme ça la finale. Et puis s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, et ben ils auront tout le temps de faire entrer le remplaçant. J'aime pas le mot remplaçant, mais... on va dire celui qui est sur la chaise. Voilà, celui qui est sur la chaise, on va l'appeler comme ça. Et ce sera donc Bruno Le Boursico qui fera partie. Voilà, vous les voyez, les deux remplaçants. Bruno Le Boursico sur la gauche de votre écran avec le maillot de l'équipe de France qu'il portera à Madagascar début décembre pour les championnats du monde. Et puis Jean-Philippe Chioni, tout en humilité, plein de talent. C'est sa première participation et il se met en retrait. On imagine que c'est un véritable sacrifice qu'il fait malgré tout. Oui, mais de notre côté, voilà, il faut savoir, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Dans l'occurrence, à la pétanque aussi, c'est est-ce qu'on fait jouer trois joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont beaucoup plus titrés et qui ont plus de chances de gagner dans cette formation, ou est-ce que je viens au milieu et je me montre et je fais le malin, et du coup, l'équipe est un petit peu moins forte et je ne gagne pas les Masters. À partir de là, normalement, la réponse, elle est vite trouvée. Hein. Et voilà. Si on a un minimum de recul, et ce minimum de recul, on sait très bien que Jean-Philippe Chioni là, et bien à mon avis, il a pris la bonne décision.
Écoutez cette ambiance dans les tribunes des arènes du Palio d'Istres. Le public a répondu présent pour ne rien manquer de ce dernier épisode du feuilleton de l'été en pétanque sur la chaîne L'Équipe, à savoir cette finale des Masters. Alors qui pour succéder à l'équipe qui s'était imposée l'an dernier, hein, composée de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Manu Lucien et Claudie Webel. Eh bien, il y a au moins un garçon qui va tenter de conserver sa couronne, c'est Philippe Suchot, membre de l'équipe de France. Et puis Guillaume Claret le signifiait il y a quelques secondes, hein, Stéphane Robineau, qui va lui chercher sa première couronne. Lui qui en est déjà à 10 participations dans ses Masters, qui n'a jamais réussi à s'imposer. Et vous le voyez ici, Stéphane Robineau avec sa main gauche, avec une attelle à sa main gauche, voilà un petit problème de poignet. Les garçons qui sont prêts, qui vont pouvoir débuter cette finale dans quelques instants. Alors que le maire d'Istres, François Bernardini, va donner le coup d'envoi fictif de cette finale, alors que les joueurs en terminent avec leur échauffement, cette prise de repère sur ce terrain qui, lors des deux demi-finales, a posé pas mal de problèmes aux garçons qui ont disputé ces deux demi-finales, hein, qu'ils soient pointeurs ou tireurs, Jean-Luc. Oui, surtout, disons que c'est surtout à la pointe qu'il est un tout petit peu dérangeant, parce que ben, en ce qui concerne les tireurs, bon, si, quand on tombe sur les boules, en général, elles s'en vont, hein, n'importe quel terrain que ce soit. Mais là, c'est vrai que pour ceux qui pointent, c'est pas spécialement facile. En plus, d'après ce qu'on a entendu, il avait changé depuis ce matin. Je suppose qu'il avait séché compte tenu un tout petit peu de vent, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Donc ceux qui étaient venus l'essayer ce matin, ils l'ont trouvé un tout petit peu changé. Alors peut-être qu'avec l'humidité de la soirée à Istres, il va peut-être reprendre un tout petit peu plus de souplesse. Ça sera peut-être un tout petit peu plus facile pour les pointeurs. Le coup d'envoi de cette finale des Masters 2016 entre l'équipe Robineau en rouge, opposée à l'équipe de France en bleu et blanc. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Stéphane Robineau, le capitaine de son équipe, qui va pointer la première boule de cette finale. Que l'enjeu est important, Jean-Luc. Alors qu'on joue... déjà à 9,50 mètres, loin, c'est-à-dire que le bouchon doit être lancé, hein, entre 6 et 8 mètres, et on a choisi de commencer long. Ouais, les deux équipes, à juste titre, craignent la puissance de feu de leurs adversaires, et il y a peu de chances que ça joue près, sauf si... Au bout d'un moment, il y en a une qui a pris le large et l'autre, pour remonter à ce moment-là, elle essaiera pour faire changer un tout petit peu les choses. Mais là, au départ, il n'y a aucune raison de s'exposer et de jouer près. Et on craint notamment l'efficacité au tir du côté de l'équipe Robineau de Château, Stéphane Cano. Et en face, Dylan Rocher, dont vous pensez qu'il peut être la clé, hein, de cette finale. Ben, on l'a vu, hein, sur les étapes, je pense, oui, ça c'est mon avis, mais après je veux dire, il est basé sur ce qu'on a vu au cours de ces étapes, à savoir que quand Dylan tire bien, ben, l'équipe elle est forcément performante, parce que bon, avec vrai, Philippe Suchot et Henri Lacroix, ou Bruno Boursicot quand il joue, ben, bon, ce sont des valeurs sûres qui en règle générale tiennent leur place, leur poste. Après, c'est vrai que quand Dylan a un petit son problème récurrent là, et qu'il est gêné pour tirer et que du coup il tire pas très bien, après à ce niveau-là, ça pardonne plus. Hein, vu les équipes qui étaient dans ces Masters, il n'y a plus tellement de solutions. Ah, le but de la première main se trouve un tout petit peu long. Il a failli béquer. Il les a envoyés un tout petit peu moins haut que tout à l'heure. Tombé dur après. Il a joué plus court, mais. Là, c'était mieux, là. Il faut se chauffer un peu et puis c'est une finale, hein, voilà. Bah, ça rigolait déjà pas en demi-finale, donc là ça rigole encore moins. Non, mais il y a un petit palier entre les demi-finales et la finale, parce que un peu comme dans tous les sports, hein, la pétanque, ça fait pas, c'est pas une exception. Hein, l'année prochaine, on s'en rappellera des vainqueurs. Hein, on s'en rappelle très, très rarement de ceux qui ont perdu en finale. Donc ouais, un peu trop loin. C'est une petite pression supplémentaire. Je pense.
Christian Fasino, l'une des légendes de la discipline. Un palmarès long comme les deux bras, quasiment. Quatre fois champion du monde, trois fois vainqueur de ces Masters, entre autres. Hein, je vous épluche pas tout son palmarès. Ça prendrait le temps de la transmission. Et peut-être, peut-être même plus. Mais c'est vraiment une grande, grande figure de, là, c'est un de mauvais, la pétanque. Là, c'est un mauvais départ qu'ils prennent parce qu'ils ont déjà perdu. Henri Lacroix avait gagné le point de Stéphane Robineau. Ils l'ont perdu deux fois dans la foulée. Donc, ils vont jouer la quatrième sur la première. Non. C'est calmé, si on en gagne trois fois, c'est bien déjà. C'est pas le c'est meilleur pas, moyen. On peut venir dans le raflé quand on est dans les trois, tu sais pas. Comme dit Stéphane Robineau, il en reste trois. Peut-être jouer. Essayer de la laisser devant, moi, puis après là, on verra. On a fusé. C'est moi qui ai pas bien joué. Ah, c'est vrai que si Stéphane Robineau baisse un tout petit peu de rythme, ça va être plus compliqué pour l'équipe des Roses. Parce qu'il a quand même. On a pas bien joué quand même. On a pas bien joué quand même. En demi-finale. Allez. Les boules sont jouées longues. C'est moi qui ai mal joué. Les boules sont. Là, Dylan, il a déjà une belle occasion. En plus, il est dans des bonnes conditions. Trois boules d'avance. Bien tiré. C'est parfaitement tiré par Dylan Rocher. Voilà, handicapé hein, depuis quelques semaines, quelques mois même peut-être par un petit problème de... Voilà, moi, j'appelle ça le pétanque elbow, un petit problème de tendinite. C'est vrai qu'ils sont au niveau de son coup de gauche. C'est vrai que là, les articulations, elles sont mises à rude épreuve parce qu'ils ne chôment pas en général. C'est pas le jeu, tu as bien pointé. T'as bien pointé jusque-là. Tu la montes bien là. Tu vois pas que tu arrives à faire un bouchon ou tu te mets dans la boule, tu les obliges. Jeune joueur de 25 ans, mais déjà une star de la discipline. Tu tires, ça fait trop loin. Allez, chat. Allez, fais-nous honte là. Christian Fasino qui est devant la château de leur faire honte hein, en pointant impeccablement comme il le fait souvent hein, château il tire bien c'est le tireur d'équipe mais quand il doit pointer il répond souvent présent il a très bien pointé celle qui doit y pointer en demi-finale. Allez, encore une et vous le voyez hein, ce réagissez avec l'équipe pétanque hashtag l'équipe pétanque faites nous part de vos réactions. De vos questions, pourquoi pas, auxquelles Jean-Luc se fera un plaisir de répondre. Si je peux. Essaye encore. La pétanque n'a aucun secret pour vous, Jean-Luc. Faites-vous confiance un peu là. Vous ne vous rendez pas compte hein, de ce que vous représentez. Non. C'est super vraiment. Bien joué. Tu peux encore exactement pareil. Tu peux encore embouchonner. Tu embouchonnes, tu vois pas que ça monte derrière un peu. C'est super. Encouragé. Allez, fais-nous honte là, on n'a pas bien joué. Christian Fasino. Il a envie d'avoir honte, hein. Ça fait deux fois qu'il le dit. C'est la première, mais ils ont décidé de ne pas s'affoler, de bien jouer les trois premières. Bien sûr, que, il a, comme il a joué. Comme c'est loin, il y a pas... un trou qui arrive dans l'équipe adverse et donc un point économisé. Bah, c'est bien joué encore, hein. Bravo. Dommage, bien joué. Vraiment bien joué. Et je me pose une question, là, compte tenu de ce qu'on a pu observer en demi-finale, Christian Fasino. Il a pointé deux fois, attends. Il n'a pas bien pointé. Jamais. Donc, il a bien tiré. Pourquoi il ne tournerait pas, là ? Avec Chateau, qui est le tireur principal, mais. Vu comment il pointe. Parce que chaque, même en demi-finale, chaque fois que Chateau a pointé, il a pointé très bien fait. C'est une excellente question. À laquelle vous n'avez pas la réponse. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous mettre à la place des... Exactement, ouais. Je peux toujours imaginer que... Et ça, c'est Dylan aussi. Ils se disent que ça peut peut-être un petit peu s'arranger de Chateau, c'est-à-dire que Chateau tire tellement bien aussi que... attention, Christian est capable de très bien tirer, on l'a vu en demi. Ouais. C'est peut-être pas des mais Chateau tire tellement bien que c'est compliqué de faire mieux. Et puis Christian, c'est le choix qui fait qui m'étonne un peu de sa part. C'est d'essayer de jouer dans les mêmes données que Stéphane Robineau. Voilà, c'est ça qui. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Et voilà. Oh. Et là, on est en finale. Ouais. Et quand on est en finale, Philippe Suchot sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot arrive. Il sort la boîte à carreaux. Philippe Suchot.
Recordman des victoires hein, dans ces Masters avec 7 succès. Il a été en plus 10 fois champion du monde. Et pareil, je m'arrête là aussi parce que sinon, si on épluche son palmarès, ça va durer longtemps. Henri, il a choisi de tirer. Oh, il tend. Bien tiré. Et c'est bien tiré. Il aurait pu. Il se sent bien, mon copain, il tend parce que. Oui, il aurait pu pointer gentiment. Ah oui, oui, là, en pointant, c'était. De 5 points pour Sissou Rocher. Non, c'était 4 sur. Bon, c'est vrai qu'en frappant, ça faisait un de plus, mais la boule était très, très loin, pas belle à tirer. 5-0 face à Fasino, Robinho et Canon. Ben oui, mais Henri Lacroix, en demi-finale, on l'a vu souvent grimacer quand même, hein, pas convaincu par ce terrain. Oui, mais parce que le terrain, on l'a dit, on l'a répété, le terrain est dur, hein, il est compliqué à pointer. Henri, lui, il occupe la place de pointeur. Dans ces terrains-là, c'est la plus compliquée, hein, parce que il faut faire avec les trous, les bosses, les dévers, les cailloux et tout. Voilà, un tireur qui est à droite et qui tire, s'il tire bien, il tombe sur les boules et les boules s'en vont. Un pointeur, lui, il faut qu'il fasse avec le terrain. Voilà. Et c'est plus compliqué parce que des fois, des boules qui sont bien jouées, elles vont pas spécialement près du bouchon. 10 mètres 05. Ce bouchon qui dépasse les 10 mètres autorisés, un bouchon qui doit être lancé entre 6 et 10 mètres, qui est trop long de 5 cm. Donc, deuxième lancé pour Henri Lacroix et l'équipe de France qui mène 5-0 à l'entame de la deuxième main. Alors que vous découvrez l'un des arbitres pour mesurer de cette rencontre. Il est au trait. Patrick Buja. Il fallait pas enrouler le décamètre. C'est aussi vite. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Le même. Non, 10 mètres plus. Il est bon. 9 mètres 99, il est à l'entrée. Et voilà, et Henri Lacroix, c'est la précision. C'est ça. 10 mètres 0, il envoie le bouchon deux fois de suite sur 6 cm. Une fois c'est dehors, une fois c'est bon. Une horloge suisse. Là, c'est un départ en fanfare. Hein. 5-0, oui, on l'a peut-être pas assez souligné. 5-0. 5 dans une première main de finale, c'est cher. Hein. Henri Lacroix qui est venu observer un petit peu le terrain pour choisir sa donnée. L'endroit où il va faire tomber sa boule pour tenter de la mettre le plus près possible du bouchon et certainement solliciter le château. Elle se promène pas mal celle-ci. Allez le château. Bien joué. Il a choisi d'assurer, de jouer dans un départ propre. En la faisant rouler un tout petit peu plus et avec un peu d'effet rentrant. Pas très massif, hein. 10 mètres, ouais, allez, comme vous voulez. Hein. Non, j'ai dit n'importe quoi. Je pense que le château allait envoyer dans la boule. Ils auraient pu, parce que celui-là, quand ils auront gagné un coup sur deux, ils auront drôlement bien joué. Claude Azéma, le président de la Fédération internationale, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous du Final Four. Lui qui milite corps et âme pour que la pétanque devienne sport olympique. Et on a envie d'y croire, hein, Jean-Luc. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Mais le problème, c'est que pour ça, il faudrait que... Moi, je reste convaincu. Après, ça ne reste que mon avis. Là, c'est écrasé. Je reste convaincu que si c'est à Paris, on aura toutes les chances que ça se produise. Si c'est pas à Paris, je reste circonspect. Ouais. Moi, j'aurais même tiré dans Paris 2024. Ouais. Ah, bien sûr. Même pas pointé. Ouais, hein. Bien sûr, on s'embête à pointer alors que si on. Pas de raison. Et là, Stéphane Robinho qui a joué une troisième pas très bien. La main d'avant, il a dû se dire pour une fois que j'en joue pas très bien, j'en ai perdu 5. Allez. Ça trotte déjà dans sa tête, ça, vous pensez? Non, ça trotte pas, mais il a dû se faire la réflexion quand même. Alors, Château, l'artificier de l'équipe Robinho. Mise à contribution. Ah, là, il est sorti du rond. Cette fois-ci, c'est arrêté. Allez, Château. Puis là, maintenant, il faut rentrer dedans tout de suite, hein, parce qu'il y en a une qui est devant, qui est pas belle du tout. Ils ont perdu 5 la première main. Bougez pas, monsieur. Si bien, pas très bien tiré.
Ah, ça c'est bien tiré, bravo. Voilà, bravo, c'est cadré. Si on n'a pas très bien tiré tout de suite, ouais, ça risque de partir en live. Ça peut devenir une deuxième main très compliquée. La première n'a pas été simple, 5-0. Henri Lacroix, il y a de la place pour un garçon comme lui. Là, je pense qu'il va prendre un peu de voilà, il va prendre de la marge hein, tranquillement. Alors certes, il lui manque un peu de force. Mais... Ouais, il n'est pas allé aussi loin qu'il le souhaitait, mais on a vu hein, l'effet qu'il avait donné à sa boule, un effet rentrant. Est-ce que ça suffit? Ouais, eh ben non, il a perdu. Non. Il a perdu le palais de Château. Ça a pas roulé. Un poil court. Ouais, pourtant je suis. Un poil court à la donnée. Non, regarde. Ouais. Je suis dedans. Attends, un peu plus loin, voilà. Ben, plus loin, moi j'ai eu peur. Voilà. Ouais. J'ai eu peur, après. Je veux dire, dès que t'as dépassé les boules, tu l'as presque gagné. Regarde du rond, tu vois. Allez, fille, essaie de me jouer. Philippe Suchaud, pardon, Henri Lacroix, toujours aussi dubitatif. Hein. Moi, ça m'épate de voir depuis le début de ce Final Four. Il a bien joué, Philippe Suchaud. Mais parce que là, il sait que Henri, parce qu'il sait que cette boule était importante, s'il vient à venir tout de suite et à refaire tirer Château à la distance qu'il y a, la main s'annonçait très très bien. Pour mesurer. Non. Et le fait de l'avoir perdu, effectivement, non. Non, je vois clair, ça le laisse un petit peu rêveur. Regardez, blanche et noire. On ne fait pas passer moins. Alors, Christian Fazinou a demandé à ce qu'on mesure, parce que la boule, bon, 91, la deuxième boule d'Henri Lacroix a bougé. Savoir s'il y en a un ou deux. Ouais. C'est 7 mm, savoir quel point en seconde. Suivant. 93, 6. 93. Il y en a que. T'as la ligne blanche de l'équipe. Ah, et tu as promis. Un seul point inter pour l'équipe de France. Allez, Château. Allez, Château. Continue. Allez, juste à pousser, hein, ça serait super. Hein. Tu la pousses déjà, c'est bien. Hein. C'est garanti. Allez, essaye encore. Allez, Tchat. Christian Fazinou dans ses encouragements qui se veut rassurant pour Château, pour lui enlever un petit peu de pression. Déjà tu la pousses un peu, ce sera pas si mal, ça fera de la place. C'est surtout que c'est important encore, bien tiré. Bravo. Bravo, bravo. Parce que ça c'est des boules en les manquant, on est quasiment assuré de plus marquer. Quand on en a perdu 5 la première main, c'est vrai. C'est pas la meilleure des perspectives. Alors que allez, là, Philippe, on peut toujours espérer que comme le terrain est compliqué à pointer, ben Philippe Suchaud perde le point ou le gagne pas très très bon. Et ça remettrait, ça rééquilibrerait un tout petit peu la main. Bravo, bien joué. Bon, allez, il emmène le bouchon avec lui. Très bien joué. C'est mieux joué, mais t'as vu si ça roule. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez, papa, rappelle-toi, là. Allez, Christian. Allez, fais jouer de suite, là. Un peu court, Christian Fazinou. Un poil court, ouais. Un poil pas droit peut-être aussi. Aussi. Il me semble qu'elle a bien fusé pourtant. Je sais pas. Alors, grâce à Hervé Croza et ses équipes. Non, elle a pas fusé. Il est un peu de moitié, mais. Il aurait pu faire une casquette sur le rebond, c'est ça. Ouais, si elle avait fusé, il aurait pu la pousser un peu. Thank you.
Oh. Ça fait mouche cette fois. Ça c'est bien. Ah, il y a loin, hein. Tiens, c'est bien. Hein. Ah, elle aurait pu frapper la première quand même. 10 mètres 70. Debout là, dans les mains de Dylan. Et une dans les mains de Stéphane Robineau. Ben, ouais. Moi j'allais jouer là, la première. Ouais, mon Didier, j'essaye. La première, dès que tu passes la blanche, là, t'es pas très loin. Pour lui. Hein. Dès que t'as passé celle-là, t'es là. Allez, Dylan. Super. Bien joué. Bravo. Et je trouve que globalement, les tireurs, quand super, ils ont à pointer, bien idée. Bravo. Ils font plutôt bien. Bah, moi aussi, moi c'est je tuerais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Jusqu'à présent, c'est bien. Hein. C'est... Ouais, c'est moi j'ai tiré presque parce que le nôtre, il est voilà. Bien sûr sur une boule, mais le nôtre, il est perdable. Il est perdable le nôtre. Allez, essaye. Allez, fais jouer si tu peux. Allez, fais-moi honte, Roby. Essaye de la pousser. Stéphane Robineau en quête d'un premier sacre sur ses Masters. Il faut essayer de ne pas trop y penser quand même à ça. Hein. Ouais, bah oui. Dommage. Bah, je le dis, mais il ne m'entend pas. Non, mais c'est mais il le sait. Exactement, mais. Oui. Tu loin, hein? Allez, de... je tire. Vas-y, volontiers. Bah, c'est ce que tu m'as dit, non? Non, je savais de pas. Trop y penser. Ouais, je vais tirer. Vas-y, il est pas mauvais celui-là. Allez, Didier, encore. Tu la pousses, tu la pousses comme si tu l'avais mis, c'est pareil. Pour Dylan, c'est vrai que c'est. Allez, Dylan. Et Henri et Philippe l'ont encouragé à y aller. Pour le mettre en confiance. Bien tiré. Et ben voilà. Et ben voilà. Deux. Ça c'est fait. Plus 2 en faveur de l'équipe de France, a priori. Ce qui a donné un coup de mèche. Mettez un coup sur les deux dauphins. Mais... Ouais, on va quand même mesurer. Il regarde la bande de Fazilon. Il regarde le palais de Dylan qui semble-t-il a glissé un petit peu, mais ils sont pas sûrs. 141. 1m41. Pour le palais de Diane. 1m37,5. 1m37. Il y en a 2. Donc 2 points pour l'équipe de France qui est déjà à la mi-partie. 2 points de plus pour l'équipe de France et 2 invités aux côtés de Guillaume Clarel. Allez, cette équipe de France donc déjà à la mi-partie après seulement 2 mètres de jeu. Et les rouges ont besoin de nos encouragements parce qu'il y a déjà le feu. Guillaume, c'est à vous, avec vos deux invités de marque. Exactement, en compagnie des deux remplaçants, même si Jean-Luc n'aime pas forcément ce terme. Je commence avec vous, Jean-Philippe. Début de partie compliqué. Vous nous aviez dit en demi que vous ne souhaitiez pas rentrer, même si on vous l'avait proposé. Là, il se pourrait qu'il faille tourner quand même dans cette partie. Ouais, ils ont très bien joué en demi-finale et ils continuent comme ça. Et on est 0-7, mais ils ont le potentiel pour revenir. Voilà. Ça me fait plaisir déjà de participer au Master. Pour un petit joueur comme moi, c'est déjà bien. Mmh. Première participation, je me suis régalé pendant les étapes. Et la finale, c'est normal que ce soit eux qui jouent, ils sont plus forts. Voilà. Oui, bien sûr. Jean-Philippe Cioni, un petit joueur, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets tout de même. Bruno, je vous pose une question quand même, parce que vous vous plaignez que je ne vienne pas vous voir. Mais votre équipe, elle est en train de nager, là, véritablement, de surnager même, ou de voler sur l'eau. Non, nager, c'est pas le mot, parce qu'en fait, une partie de boule, c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'ils jouent très, très bien. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ils restaient tous les trois pour la finale. Parce que la demi-finale, ils ont super bien joué. Donc je vais pas rentrer, je les laisse tous les trois. Et puis voilà, et puis au championnat du monde, bah, je prendrai ma place. Et j'en virerai rien de l'équipe. Le message est lancé de la part de Bruno Boursicot. Hey. On retrouve le jeu hein, oui. Tout de suite. Hey, bonne ambiance en équipe de France. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Il est toujours aussi fou. Ouais. Il ne changera pas. Toujours le bon mot, Bruno Le Boursicot. Voilà, effectivement, hein, cette équipe de France qu'on retrouvera Henri Lacroix, Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Bruno Le Boursicot aux Mondiaux. Début décembre à Madagascar, ce sera sur la chaîne L'Équipe, tout comme les championnats de France qu'on vous propose dès demain matin. 10h25, le meilleur des quarts de finale.
Vendredi matin à 10h, une demi-finale. Samedi à 9h50, l'autre demi-finale. Et puis dimanche à 9h55, la finale. Voilà, des rencontres qui se sont disputées à Montauban. Et on peut vous dire qu'il y avait de belles parties, hein, Jean-Luc. Ah ouais, il y a eu des, puis alors surtout des suspens et des retournements de situation. Exactement, à ne manquer sous aucun prétexte des retournements de situation qu'on attend dans cette finale où l'équipe de France mène pour l'instant 7-0 face à l'équipe Robineau, à la troisième mène. Mais rien n'est joué, croyez-nous. Ça peut basculer très vite. Et quelle lucidité et quelle humilité de Jean-Philippe Chioni. Ah, c'est admirable. Il faut bien le souligner. Ouais, un grand coup de chapeau. Ça, elle a mal tapé. Elle s'est bien baladée quand même parce qu'elle a mal frappé. Hein. Elle était partie un peu de travers, elle est revenue. Bien joué. Hein. Elle a tombé, elle va aller où? Elle a mal tapé. Elle est tombée, hein, elle va aller où? C'est demandé Henri Lacroix, elle est pas si mal. Hein. Hein, elle est devant. Après, il est beau. Hein. Je vais tirer. Ouais. Tirer. Moi aussi, je pense un peu dans le sable. Je sais pas. Sinon, je tire moins. Non, je vais tirer, je vais peut-être faire un. Allez, je vais essayer de bien la tirer celle-là. Allez, fais-toi plaisir. Allez, Christian, allez. Christian Fazino qui a envie de tirer. Alors on le laisse faire. Il va y avoir concentration extrême. Extrême parce que là, il est parti dans l'idée de faire un petit carreau. C'était pas loin. Dommage, c'était pas loin. Ça reste un palais, mais c'est bien. Ça permet à son équipe de faire jouer l'équipe de France. Pour. Ah bon, si, j'ai rien dit. Il me dit l'avant que j'ai fusé. On t'a tombé là. Je sais que toi tu joues toujours plus loin, mais bon. Là, si tu laisses venir un peu, normalement il ne peut rien t'arriver, Fifi. Après. C'est vrai qu'il y a de la place. Oui, il y a de la place, mais ils sont quand même pas très confiants quand ils vont pointer. Hein. Philippe Suchot, lui, c'est la balade. Voilà. Pas très quoi, vous avez dit? Pas très confiant. Mais c'est un départ. Pourtant, c'est, ouais, qui est pas très à l'aise. Pourtant, c'est un pointeur exceptionnel. Exceptionnel. Mais il redoute un peu ce terrain et. Et après, il transmettrait presque des ondes fort. Négatives. Allez. C'est le moment. Allez, Chris. Je la monte légèrement. Allez, essaye. Allez, Christian, pousse. Et puis, Chaud est resté insensible à la trouille d'Henri Lacroix. Enfin, trouille. Pseudo-trouille. Christian Fazino. Putain. Encore un palais. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est bien tiré. Celle-là, elle aurait pu. Ouais, il cherchait vraiment le carreau. Hein. Elle est bien tirée celle-ci, c'est vrai qu'elle est montée un peu à l'impact. Ah, puis encore. Aïe. Mais celle-ci, je pense que c'est pas tellement le terrain. Elle a retenu un peu. Je pense qu'il est un tout petit peu court, ouais, à la main. Je l'ai vu chez le bout des doigts. Eh bien oui, ça y est. Ouais, je voulais gagner, après on verra. Il va falloir que. Ici, tranquille, gentiment, là, sur le caillou, là. Jeudi Dan le gagne deux fois. Ça obligera Stéphane Robineau, s'il veut marquer, ça va l'obliger à taper les deux siennes. C'est encore un ring. Je l'ai gardé au bout des doigts. Non, mais je l'ai gardé au bout des doigts. Il n'y a rien de facile. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir avec le terrain. Hein. Philippe Chaud, il ne cherche pas de mauvaises excuses. Bravo. Bien, super. Après, tu n'as pas les mesures. Et Didi, quitte pas le bouchon.
Non. Et donc Stéphane Robineau qui s'était proposé pour tirer tout à l'heure à la place de... Oui. Christian Fasino bah, qui juste à mettre droit, déjà envisagé la possibilité de laisser le coup qui monte dans les deux nôtres. Remettez-vous la dernière là. Mais ça me paraît un tout petit peu quand même, ça me paraissait un peu prématuré. Allez Roby. Ouais, en même temps, quand on est mené 7-0 par l'équipe de France, oui, mais... c'est chaud. Hein. Oui aussi, oui. On est bien d'accord. Ouais, c'est bien tiré. Stéphane Robineau qui fait mouche. Mais qui n'est pas content quand même. Non, parce qu'il a eu un petit. Je pense qu'il en avait deux et il a contré sur. Il a contré sur la sienne, qui était là-bas complètement à droite de l'écran. Hop, on le voit là. Ouais. Pas très heureux, même s'il a fait mouche. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, ben, il tire en plus qu'à un point. Ça, c'est pas mal joué. Mais un Didier, bravo. Il s'est arrêté à temps. Bien joué. Et la dernière boule de la main dans la main de Stéphane Robineau qui va tenter d'ouvrir le compteur score de son équipe dans cette finale des Masters 2016. Allez, essaye de nous faire marquer, ça serait super déjà. Pas mal. Hein ? Ça serait bien. Allez, Robé. Allez, essaye d'y mettre droit. Ouais. Mais elle n'est pas partie. Alors, voici donc un point supplémentaire. Et bien voilà. L'objectif a été manqué par Stéphane Robineau. C'est un point de plus pour l'équipe de France qui mène désormais 8-0 dans cette finale des Masters 2016 ici dans les arènes du Palio à Istres. Allez, il est temps de marquer une petite pause. Le temps peut-être pour l'équipe Robineau de se refaire une petite santé morale. Mais on revient très vite ici à Istres. Donc, les boules de Philippe. Reprise de la partie, si vous le voulez bien. Merci de retour à Istres, dans les arènes du Palio qui accueille la finale des Masters 2016. On est ensemble depuis le début de cet après-midi. Et on arrive à l'épilogue de ce feuilleton qui nous a tenus en haleine tout l'été. 7 étapes disputées par 8 équipes à Béziers, à Romans, à Ilkirch, à Oloron, à Narbonne, à Fréjus, à Dax. Et puis les 4 meilleurs à l'issue de ces tours préliminaires qui se retrouvent ici en Final Four. Les demi-finales, vous les avez suivies. Tout à l'heure en notre compagnie. Et puis là, la crème de la crème, l'équipe de France face à l'équipe Robineau, une équipe de France qui mène 8-0 à l'entame de la quatrième main. 10 mètres 12. C'est vrai que c'est un départ canon et que ça va être très compliqué pour l'équipe de Stéphane Robineau de revenir. Mais. Ça reste du sport, ça reste la pétanque. C'est exactement ça. Et on a vu quelques renversements de situation, notamment le week-end dernier dans les championnats de France à Motobank, on l'a commenté ensemble, Jean-Luc. On ne vous en dit pas plus, il faudra être présent sur la chaîne L'Équipe dès demain matin à 10h25. Pour en savoir plus avec les quarts de finale, puis vendredi, samedi, les demi-finales et la finale dimanche. Début de la quatrième main. Henri Lacroix qui maintient la pression. Il ne veut pas les laisser respirer. Il sait qu'ils sont dangereux. Et que. À la moindre allez, occasion, essaye encore. Allez, essaye de la pousser, chat. Ils sont capables de revenir. Il maintient la pression parce qu'il sait aussi que l'équipe Robineau, elle a joué près de 2h30. J'arrête ma phrase parce que là. Celui-là il est beau. C'est du carreau signé de Château. Ouais, c'est vraiment, il aura fait une belle saison et des masters et en général. Hein, parce que aller faire un carreau à ce moment-là, c'est vraiment extraordinaire. Bravo. Bien tiré Didier, bravo.
Voilà, main annulé. Le temps de préciser que voilà, une belle, un beau tir hein, de Dylan Rocher, qu'on est à 25 ans à cette 10e participation au Master déjà, mais vous soulignez le beau tir de Château et sa belle épopée cet été, qui pour sa première participation au Masters a vraiment marqué les esprits par sa redoutable efficacité. C'est ça, sa régularité. Il a été un des meilleurs tireurs qu'on ait pu voir tout l'été. Et c'est vrai que le fait que ce soit la première participation, c'est encore plus beau. On va entamer la cinquième main. L'équipe de France mène 8-0. Et Henri Lacroix a toujours autant de mal, que ce soit avec le bouchon et, ou avec ses boules, sur ce terrain. Ah, faut le mesurer. Il est encore un peu loin, là, ouais. Alors ça va se mesurer, il faut que le bouchon, on vous le rappelle, soit lancé entre 6 et 10 mètres. Il va gagner Henri hein, cette finale, hein, il veut pas. Il a le. Il a la tête de. Le masque du gagneur. Ouais, c'est ça. Et de celui qui veut rien lâcher. Et puis surtout, il veut pas jouer à 6 mètres. Alors, 10 mètres 12. Oh, 12 cm de trop. Là, ça risque de jouer pour près. Maintenant. Alors du coup, voilà. Henri Lacroix a manqué ses trois lancers de bouchon, les trois lancers auxquels il avait droit. Comme il a échoué à le lancer entre 6 et 10 mètres, eh bien, le lancer de bouchon revient aux adversaires. Donc voilà, Château il s'est mis à 6 mètres 10. 6 mètres. Là je comprends pas bien ce qui se passe. Alors le public ouais, qui réagit alors qu'on devrait assister à une main spectaculaire en jouant 6 cours. Je sais pas, je croyais que le règlement c'était entre 6 et 10 mètres. Henri va envoyer à mon avis très haut et très près. Voilà. Il va essayer de tomber plus ou moins sur le but. C'est un peu celle-là. 6 mètres 30, le lancer de bouchon de Christian Fasino. Un lancer volontairement court pour permettre à Château de pourquoi pas faire un carreau d'entrée. À 10 mètres, on est bouffé, alors on peut bien faire quelque chose. Hein. Allez, Tchat, c'est pas grave. 3, 4, allez, essaye de la pousser celle-là. À cette distance-là, qu'à 9 mètres 80, parce que Château il avait fait un carreau là, à la main d'avant, mais même une fois qu'on en a fait un, il y en a encore un paquet à tirer. Voilà. Et voilà. Ça devrait contre-attaquer. C'est cadré de la part de Château. Donc ouais, là on va tirer. Regardez. Mmh. Qui se présente au pas de tir, Dylan Rocher, pour répondre à Château. Même 8-0. Si tu reviens. Il n'y a pas de danger. Bravo. Wow. Super. Alors, est-ce qu'elle est sortie ou pas? Non. Elle n'est pas sortie. Garde de Château. Ça a failli et elle est revenue. Wow. C'est bien tiré aussi là. Ah oui, ça. Allez, continue, Chad. Voilà, Château perturbé un petit peu par le bruit hein, qui descend des tribunes. Certes, le public est venu nombreux, c'est bien, mais. Wow, bien respecter le joueur et leur concentration. Ouais, dans la mesure du possible, oui, c'est mieux. Parce que là, il se joue quand même le titre des Masters 2016. C'est pas rien dans une carrière. Donc il y a forcément beaucoup de pression sur ce carré d'honneur. Ils ont choisi de ne plus contre-attaquer. Et bien joué pour la deuxième fois dans cette main de la part d'Henri Lacroix qui oblige les rouges à tirer. Et en l'occurrence, Christian Fasino. Allez, Christian. Allez, encore. Allez, papa, fais plaisir là. Allez, Chris. Allez, fais jouer là.
Aïe. Oui. Aïe. Il n'y en a pas assez, je pense pas. Quand le boule t'a pas roulé. Ça, ouais, ça a pas suffi apparemment hein, du côté de l'équipe de France. On bouge pas une oreille. En revanche, on se, comme vous aimez à le dire, et j'adore cette expression, on se gratte la tête du côté de l'équipe Robineau. Ouais. Ah ben là, oui, parce que maintenant... Il faut aller au bouchon, là, ou... Non, si tire encore bien, ouais. Si tire bien, trois boules qui restent, ils vont perdre un point. C'est pas, voilà, la main, elle est... Ouais, ça, c'est pas grave, pousse, là, allez. Pas perdu, mais pas loin, à moins de faire une marche arrière dans le bouchon, ou alors, si des fois, il y en a une qui vient un tout petit peu plus près, après, essayer de faire un carreau à celle qui est plus près, voilà, mais... Mais bon, la main n'est pas très bien engagée, certes, mais de là, tire au but. Ouais, mais ça commence pas à faire beaucoup. La main pas bien engagée, la partie pas bien engagée. Ah oui, mais c'est que. Il y a juste. Oh voilà. Voilà, il y a vu Jean-Luc. Il y a vu Jean-Luc. Vous êtes un visionnaire de la pétanque. Oh, sur certains domaines. Je vais acheter une boule de cristal. Au-delà d'être un grand connaisseur, vous êtes un visionnaire. Dommage. Ah, oh, ça c'est bien joué encore. Signé Suchot. Putain, je voulais pas venir en bouchon, je voulais venir un peu à droite, mais j'étais en bouchon. Alors, entre Henri Lacroix, qui a envie de rien lâcher, vous l'avez souligné, vous l'avez lu dans son regard. Dylan Rocher, impeccable au tir, et Philippe Suchot au milieu qui fait ce qu'il veut. Ah, oh, bien tiré, mais c'est bien tiré. Mais forcément, le bouchon a bougé un peu. Oh, ça c'est vraiment bien. S'il avait été même un peu plus bas, le but serait certainement parti beaucoup plus loin. Là, il reste encore avec des points qui, au moins un qui. Au moins un qui peut se perdre. Alors on a gagné un mètre. Dans le jeu. Pop, pop, pop. Elle a gagné. Super. Hein ? Elle a gagné ? Non, c'est pas. Hein. Elle a béné un peu. Hein. Je sais pas. Elle a béné alors, traduction. Elle a béné, s'il vous plaît. Traduction de... Qui parlait pour les gens qui parlent pas qui parlait pétanque le langage de l'Allier, c'est qu'elle elle a versé un peu sur le côté. Cette boule blanche précisément de l'équipe de Stéphane Robineau. 59,5. Voilà, sous le regard de Manu Lucien, partenaire de Philippe Quintet, éliminé en demi-finale par l'équipe Robineau. 59,5. La tirette. Oh là, on sort le grand jeu, le juge de paix, la tirette. La tirette magique. On ne sait pas si elle est magique, mais. Au moins. Mais en général, elle est efficace. Elle est efficace et elle ne laisse planer aucun doute. Voilà, éliminée aussi. Vous venez de l'apercevoir. Alban Gambert. Vainqueur du trophée des villes. Par contre, j'ai quand même l'impression que les joueurs de l'équipe de France, ils ont leur avis néanmoins, puisqu'ils sont déjà dans le rond pour savoir qui va jouer, alors que l'équipe de Stéphane Robineau, ils sont tranquillement sur le côté. Oui. On vient de voir Philippe Suchot et Christian Fasino qui rigole. Le gros plan magnifique. Ah, ça, Hervé Crozat. C'est ça. Le roi des images. Allez, mon de la pétanque. Grande des autres, hein. Voilà. Qui nous regarde de ces images, de ces loupes et de ces ralentis qui nous permettent d'apprécier au mieux tout ce qui se passe sur ce terrain et notamment la concentration de Dylan Rocher. Oh là, le petit plus. Le petit plus, tout va bien. C'est ce qu'on lui avait demandé de faire, jouer en face le bouchon. Eh ben voilà, il joue en face, hop, il l'emmène avec lui, il vient faire un tour avec moi. Et là, donc maintenant, il y en a deux. Alors, situation compliquée pour Stéphane Robineau, parce qu'en pointant, le point est très dur à gagner. Ah, bah si, droitier, ouais. Allez, Roby, il faut bien la jouer, il faut le gagner, puis c'est tout. Hein. Non, comme, non, parce que, comme comment sont placés les boules. Comme il y en a deux, ben, il va pas tirer. Donc là, il faut. Allez, Roby. Il faudrait qu'il fasse un carreau sur celle de Diane Rocher. Allez, essaye d'en couper un. T'en coupes un déjà.
Tu joues comme il a joué, de toute façon, en mécan sur celle-là. Si je joue pas en groupé, c'est aussi bien tiré. Allez, si elle est bien envoyée. Il fait un carreau, il marque. Mais. Si tu touches pas, à mon avis, tu tires pour deux. Allez, Roby. Non. Ah, je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane Robineau, voilà, qui, quand il dit je vais le prendre, c'est le carton jaune, voilà, puisqu'il vient de dépasser la minute, qui lui est imparti pour jouer sa boule. Tant pis. Si tu crois, t'en fais 5 ou 6. Tant pis, on est mal. Tu peux le perdre. On est mal. Non, on est pas mal si on gagne le point. Pas mal. C'est d'en jouer deux, non ? C'est très bien. Vas-y. Allez. Sur Fasino, t'en coupes un, tu peux couper deux. Gardez haut le bord des troupes. Non, mais après, la réflexion du château, attention, elle est loin d'être. Allez, Robin, fin d'effort. C'est joué pour en perdre qu'un. Envoie-la bien, tu peux le gagner. Qui est complètement à gauche de l'écran, c'est le bonheur de croiser, peut en faire 4 ou 5. Alors après, c'est un coup improbable. C'est plus du billard que de la pétanque. Un coup de folie, mais même s'il tape que la boule, il en perdra qu'un, c'est sûr. Oh, voilà, et là, il va en perdre un quand même. Alors, est-ce qu'il en a coupé un? Peut-être même deux, sans aucun espoir de faire... Carton jaune pour dépensement de temps. Attention à la prochaine faute. Ils vont mesurer le deuxième. Voilà, s'ils en perdent... Non, ils ne mesurent pas, il n'y est pas. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. 1, 9. C'est un nouveau point pour l'équipe de France. Voilà. Qui fait la course en tête dans ce début de finale après. Pourquoi 9-0 Non, 1. Ah, 8-1-9. 8-1-9, pardon. Oui. Oui, vous faisiez l'addition, pardon. Oui. Oui, parce que j'ai envie. Comment dire, vous allez plus vite que moi. C'est ça, j'addition. Le logiciel, il est comme ça, il a déjà. Vous êtes allé plus longtemps que moi à l'école, certainement. Oui, ça, c'est pas sûr. 9-0 pour l'équipe de France. C'est la finale des Masters 2016 dans les belles arènes du Palio à Istres. Alors, il a croix qui envoie encore à 25 mètres. Et le décamètre, les arbitres mis à contribution pour mesurer la distance existante entre le cercle et le bouchon. 9,90 m. On joue, ah, monsieur. 9,90 m. Et on est dans les clous. Donc on va jouer loin, 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 loin. Presque le plus loin possible. Non, je crois pas, je crois pas. Ah, c'est sympa ces images, j'adore ça. C'est eux, c'est pas moi. Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui se tapent dans la main, les joueurs qui discutent, il y a une équipe qui mène 9-0, c'est la finale des Masters. Il y a de la tension bien sûr parce que tout le monde veut gagner ce titre, mais malgré tout, eh ben, on reste copains. Et ça, c'est une belle image. Ils sont amis et partenaires. Oui, à Draguignan, dans leur club de la région PACA. Bien mon étang. Non, toi bien. Bien mon Didier. Ah. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Et ne faites pas glisser les cailloux. Attention à ne pas faire glisser les cailloux. Attention à la prochaine fois. Merci. Alors, petit éclairage Jean-Luc là, parce que j'ai entendu plein de fois là, tout au long de l'été les arbitres faire des réprimandes et là j'avais jamais entendu. Il faut les faire les cailloux. C'est toujours une manière boule. Dommage. D'expliquer allez, à monsieur Lacroix que de allez, temps en temps, allez, continue, les semelles qui allez, sont un peu lourdes. Et que des fois, plutôt que de boucher un trou, il se prépare une aire d'atterrissage plus favorable. Oh, une aire d'atterrissage, c'est exagéré, mais disons qu'il améliore un peu l'ordinaire. Bien. Allez, Roby, essayons d'approcher déjà au moins. Oui. Pour les obliger peut-être un peu à tirer. Voilà, réprimandé dans la bonne humeur et intelligemment par Patrick Bujat, l'arbitre international. Un petit rappel à l'ordre. 0-9, avec un peu de chance, on peut même être ensemble. Mais on n'est pas la bonne pour le moment. Les arbitres qui font leur office. Pour rappeler. Regarder les mains. Hein. Allez, Roby. Il a pas contesté. Allez, faut faire jouer un peu. Ah non, il y a eu un échange de sourires. Il savait qu'il était pris la main dans le sac. Ah oui. Il n'a pas contesté du tout. Ouais. Oula. Stéphane Robineau. C'est pas joué au boule ça, André. Qui roule au-delà de la ligne de perte. Ça se complique pour l'équipe Robineau ou je me trompe? Non, vous vous trompez c'est pas. C'est déjà pas simple. Par contre, je regardais ce ralenti, cette boule, j'ai pas l'impression qu'elle soit si mal jouée que ça. Ah oui, mais c'est Dumont, il a quoi ce matin.
Les premières mènes de cette finale, parce que la première mène de la finale, pareil, je me suis dit, oui, mais c'est un demi-compteur, Roubine. C'est tout, il n'y a pas de. Ouais, mais t'arrives pas à le lever, non ? Change de tactique. Assure tes boules, Roby. Allez, allez. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont mal joués. Assure légèrement tes boules, allez. Allez. Mal joué à la main, vas-y. Mal joué à la main, c'est pas. Pas s'amuser. Hein. Stéphane Robineau qui est revenu d'un pas décidé dans le cercle après avoir de nouveau cherché. Le meilleur endroit pour faire tomber sa boule, c'est mieux. Non mais Roby, on est. Oh. Il est 21. Ils sont mal joués la main. Regarde, il est 21. Tout à l'heure j'ai des bouchons, on n'a pas perdu de boule tout à l'heure. Ah. C'est que là, il manque de la hauteur. C'est qu'il manque de la hauteur, c'est tout. Le rapport avec le jeu là, je. Je sais pas, on attend. Julien Rocher à 21h30. Là ça va, là ça risque de piquer. Qui réalise un superbe tir. Carreau ou presque, un petit recul, mais. Regarde avec lui, sur Bouchon. Qui oblige pour le coup Christian Fasino. Sur Bouchon, t'as deux pour le sortir, ils ont une boule d'avance, ils ont 9. Allez, ça fait qu'ils en tapent 3, s'ils ne cadrent pas. La démonstration de son talent. Tant pis. Stéphane Robineau, il s'attaque à un roc là, je te le dis. Je vous le dis, pardon. Xavier, essayez de faire tirer le bouchon à Christian Fasino. C'est pas facile du tout. Non, mais faut dire, on va vous garer, on a fait parce que vous étonnez. Christian Fasino qui s'est placé tout à gauche du cercle. Je suis même pas sûr qu'il ait gagné. Ça, vous avez quoi ? À mon avis, il n'a pas gagné. Non, personne n'a bougé. C'est bon. Tous les blancs. On a deux boules, on doit le tirer. Ça a produit être pris. Tac, ça, je tire au bouchon. Ouais. 0-9. Voilà, Château, ça y est, prend les choses en main. Ouais. On tire au bouchon. Ouais. 0-9, deux boules de retard, le point. Oh, Château qui lève la foule. C'est vrai que 0-9, la situation, comme elle est là, ça sent plus le sapin que la dragée. Ah, Château. Et espérons pour le spectacle que Château va frapper ce bouchon. Alors déjà, parce que un joueur qui arrive à frapper le bouchon à cette distance, c'est spectaculaire. Mais en plus, voilà, ça voudrait dire que la partie va pas s'arrêter dans quelques minutes. Ah ben oui, parce que là, s'il le manque, ça n'aurait plus duré très longtemps. Même s'il ne gagne pas, ils en feront au minimum 3. Juste derrière, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu aussi, juste au-dessus. Je croyais le taper en l'air. Et on voit ça grâce à Hervé Croza et ça loupe. C'est bien tiré. Il est à un centimètre ou deux derrière. C'est dommage que je le tape. Ouais. Pas heureux de Château. C'est bien tiré. Par contre, j'ai trouvé Christian et Château un peu sévère avec Stéphane Robineau parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une partie comme il l'est fait d'habitude, comme il nous avait habitués. Ouais. Mais il ne faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et notamment en demi-finale. Et encore en demi-finale, oui, effectivement. J'ai perdu, là, c'est... Alors, l'arbitre. Le problème quand l'arbitre fait ça, c'est qu'il coupe le bras de l'adversaire. Ouais. C'est pas terrible. Monsieur Château a bouché son trou de tir. Vous bouchez un deuxième trou. Vous savez très bien que c'est un trou, c'est un carton. Bouchage de trou à l'autre. Mais certes, dans le fond, il y a allez, Ivan, allez, Didi. Pourquoi pas attendre la fin de la mêlée. C'est le encore règlement. Une fois. Mais au moins, ouais. Voilà, au moins, il s'est tiré Dylan. Allez, Didi, encore. Ouais. Oh, il vient de tirer. Bravo. Il ne s'est pas déconcentré. Non, non. Ben là, maintenant, il y a. De la place. On risque bien d'assister. Pierre pas. Je sais pas. Hein c'est quoi c'est pas ça, c'est pas. Je veux dire, on a 9, c'est 10 tapes, il n'y a plus une boule dans le jeu. Alors que là, jusqu'à la dernière, il faut le mettre sur celui-là, quoi.
Non. Henri, il est vraiment pas serein dans ce, jeu, dans ce terrain. Non. Même, que là, plus vite ce sera fini, plus vite ce sera content. Là, il y a quand même de la place. Il ne pouvait pas croiser dans le bouchon quand même. Ce serait certes un coup de poids, c'est parce, ouais, parce que là, il n'est pas tout à fait dans l'axe, mais ça peut arriver. Pas dans l'axe, c'est pas à côté. Hein. Oh, c'est fini. Ça, c'est des situations qui ne sont pas loin. Laissé à M. Philippe Suchot. Eh bien, on connaît les vainqueurs de ces Masters 2016. Mais là, eh bien, dites donc. C'est une boule de match. Pointé. Et voilà, c'est fait. Bravo. L'équipe de France qui était annoncée comme grande favorite de ces Masters 2016 qui remporte cette 18e édition de la plus belle des compétitions estivales qu'on vous a proposé tout l'été. Et pour cette 8e et dernière étape, le Final Four. Et regardez ces images superbes. Les garçons de l'équipe de France qui vont claquer la bise à Jean-Philippe Koenig qui a voulu souhaiter rester en retrait pour laisser ses partenaires disputer cette finale puisqu'ils avaient remporté tous les trois la demi-finale. Et ce sont donc bien Philippe Suchot, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Bruno Le Boursicot qui inscrivent leur nom au palmarès de cette édition 2016 des Masters. Alors qu'on va retrouver très vite Guillaume Claret en compagnie alors d'un vainqueur ou d'un finaliste d'un vainqueur me semble-t-il. Non, c'est un vainqueur, c'est un vainqueur messieurs, c'est Henri Lacroix. Henri, cette victoire, on est un peu dans l'expectative. Comment vous l'analysez, cette finalement première Fanny de l'histoire des Masters? Oui, ben, après ça reflète pas tout à fait la partie parce que c'est vrai que Roby il a eu un petit passage où il a eu d'autres la jouer importante, mais bon, le terrain n'est pas facile. Christian a eu un mauvais passage au milieu. Bon, après, une Fanny, je veux dire, nous on en a fait une contre Château et Fasino au PPF, donc ça va, ça vient. Un coup c'est un coup c'est l'autre. C'est celui qui entame le mieux la partie qui a la réussite, et puis ça se passe bien. Quoi. Vous, à titre personnel, il y a les Europes de tête à tête à Nîmes, il y a Madagascar en triplette. Quelle fin de saison vous attend? Oui, une saison très chargée. C'est vrai que ben, ma sélection déjà au championnat d'Europe tête à tête, je suis très content, mais bon, je pense que c'est par rapport à mon titre que j'ai eu il y a 15 jours au championnat de France tête à tête. Mais c'est vrai que je suis très heureux d'aller défendre mon pays au championnat d'Europe pour la France et Madagascar avec mes partenaires avec qui je m'entends super bien, et que même quand on perd, même quand on souffre, même quand ça se passe pas bien, on marronne un moment et puis après c'est fini, je veux dire, on oublie vite. Eh bien, félicitations Henri, on vous laisse aller chercher cette nouvelle étoile. C'est très gentil, je vous remercie, à vous, bonne soirée. Eh oui, Henri Lacroix qui va être honoré d'une cinquième étoile dans ses Masters. Philippe Suchot, lui, ça va être la huitième, la quatrième pour Bruno Le Boursicot et la troisième pour Dylan Rocher, seulement 25 ans, qui gravit une marche supplémentaire dans la hiérarchie des grands champions de la pétanque française et internationale. C'est adorable déjà. Énorme au sommet. Jean-Luc, au début de ces Masters, on avait parlé de cette équipe de France. Épouvantable. Et annoncée comme redoutable. Oui. Avant de vous lancer là-dessus, on va aller voir, on va écouter Stéphane Robineau et Guillaume Claret, puis après, je recueillerai votre analyse. Ouais, exactement, Scarabée qui nous fait l'amitié quand même de répondre à nos questions après cette finale. Roby, cette année, il n'y aura pas encore cette première étoile, malheureusement. Non, c'est sûr, mais après, moi, je suis passé complètement à travers de ma partie. Et je pense que j'ai emmené mes partenaires un peu dans le gouffre. Et voilà. Après, ils ont super bien joué, eux. Donc, voilà. Après, le score est sévère, mais ça reflète la partie. Et
Je suis déçu, pas de ma première étoile, mais je pense que ça gâche un peu nos Masters. Mais bon, voilà, c'est dommage. Bon, ça n'enlève rien quand même à l'été que vous avez réalisé. On imagine qu'une fois la déception passée, il y aura quand même de quoi construire vers l'avenir, parce qu'il y a encore de belles années à venir pour vous. Ouais, de belles années, je sais pas. Je commence un peu à prendre de l'âge. Mais je prends toujours autant de plaisir de jouer, notamment dans les Masters. Là voilà, j'ai pas gagné, mais j'ai mon petit frère Dylan et Henri, mon ami, qui ont gagné, donc je suis content. Ce sont de belles paroles et un grand merci en tout cas. Merci à vous. De belles paroles, de grands champions. C'est la pétanque de très haut niveau sur la chaîne L'Équipe. Alors peut-être pas à travers cette finale qui nous-mêmes nous laisse un petit peu, Jean-Luc, sur notre fin, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais l'équipe de France donc qui en tout début de cet été, dès la première étape, on avait présenté cette équipe de France comme l'épouvantail de ces Masters 2016. C'est le terme. La logique est respectée. Ce sont bien les meilleurs qui l'ont emporté ce soir. Bon voilà, une finale. Un petit peu tronqué, manqué, comme l'a dit Stéphane Robillot, mais malgré tout, les joueurs de l'équipe de France, eux, bah, ils ont maintenu leur niveau de jeu au plus haut. Ouais, mais voilà, on savait, au début, on avait parlé d'épouvantail, hein, je me rappelle bien, pendant la première étape de Béziers. Épouvantail parce que cette équipe, quand elle joue à ce niveau-là, ben, à mon avis, elle a pas de concurrence. Alors après, c'est vrai qu'il y avait eu un peu plus de suspense dû à une ou deux étapes où Dylan était blessé, où Philippe Suchot a eu des problèmes de dos aussi, et donc forcément cette équipe était diminuée. Voilà, et donc elle ne pouvait plus jouer à ce niveau-là. Et dans ce genre d'épreuve, quand on joue que contre des grosses cylindrées, puisque ce sont des sélections et qu'il n'y a que de grands joueurs, ça ne suffit plus pour gagner. Maintenant, voilà, Philippe Suchot, Henri Lacroix, bon, Bruno Le Boursicot qui n'a pas joué ce soir, jouent toujours à leur niveau. Et quand Dylan Rocher est en forme, on voit ce que ça a donné. Et bien voilà, 13-0, une première dans l'histoire des Masters qui s'achève à l'issue de cette 18e finale. Guillaume Claret, salut, ça a été un plaisir de partager ces grands moments avec vous. Un plaisir partagé, messieurs, vraiment, c'était un bel été. Voilà, on ne va pas forcément se souvenir de cette finale et de cette première Fanny, parce que franchement, on a vécu un bel été et on se souviendra plutôt de la 8e étape pour Philippe Suchot. Voilà, toujours, et plus que jamais, recordman de victoire dans ce feuilleton estival. Eh oui, 8e étoile pour Philippe Suchot, vous l'avez dit, plus que jamais recordman. Jean-Luc, comme pour Guillaume, ça a été un plaisir de partager toutes ces épreuves en mode compagnie. Mais un bonheur sans nom. Et la pétanque, va y en avoir encore et encore sur la chaîne L'Équipe, parce que vous aimez ça, nous aussi on aime ça. J'espère. Donc voilà, on va continuer de partager tous ces grands moments de sport en votre compagnie. Merci beaucoup pour votre fidélité. Puis n'oubliez pas, hein, demain, rendez-vous dès 10h25, me semble-t-il, pour le début des retransmissions de ce qui s'est passé au championnat de France. C'était le week-end dernier à Montauban. Et croyez-moi.